J'espère que vous allez bien. Oui, je sais que je mets des vidéos chaque genre 2 ans. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour 1 minute tuto. Voilà, je voudrais partager une petite vidéo avec vous. Voilà, donc je vais vous montrer comment rendre invisibles les cheveux. Souvent, je reçois des clientes qui me disent que je veux pas que mes cheveux paraissent parce que peut-être elles ont des teintures au bout des cheveux et tout. Donc c'est un peu difficile pour certaines, peut-être. Dresseuse, voilà, pour pouvoir cacher les cheveux juste en bas des mèches. Donc je vais vous montrer comment cacher les cheveux en bas des mèches, voilà, comme je disais. Donc du coup, ce que je fais, c'est avec des noless. Donc les noless, j'avais déjà fait une vidéo des noless, comment on fait les noless, mais bon, c'est pas le but ici. Donc du coup, vous avez juste à regarder la vidéo comment je le fais, mais il faudrait vraiment mettre des mèches et les cheveux juste en bas des mèches. Donc, il faudrait camoufler les cheveux avec les mèches. Par exemple, souvent, vous pouvez recevoir des personnes qui ont, par exemple, des cheveux au bout, c'est comme peut-être, on va dire, vert, par exemple, et la personne veut faire comme des mèches tout noires. Mais elle ne veut pas que sa teinture paraisse dans sa coiffure, en fait. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode pour pouvoir camoufler ses cheveux avec la teinture verte, juste en bas des mèches. Donc, à chaque fois que vous tournez, vous faites des nattes, il faudrait prendre les mèches et les camoufler avec les cheveux. Bon, après, je me suis rendu compte que j'ai mal placé ma caméra. J'ai le bras qui cache un peu ce que je fais, mais... Bon, j'espère que vous allez voir un peu ce que je fais parce que j'ai mal placé ma caméra. C'est maintenant que je m'en rends compte, maintenant que je fais le montage. Mais voilà, je ne peux pas retourner en arrière, mais je pense qu'on voit un peu quand même ce que je fais. Et voilà, donc je vous invite à suivre la vidéo. Voilà, il n'y a rien à expliquer, c'est juste à regarder ce que je fais. Et j'espère que ça va vous aider, ça va aider peut-être des coiffeuses qui débutent ou des coiffeuses même qui sont peut-être, il y a des années, elles sont dedans. Ou en tout cas, c'est pas tout le monde qui le sait. Voilà, il y a des filles qui sont 1 an, 2 ans, même des années dans la coiffure. Il y a des choses que on trouve ça minime. Voilà, on trouve ça minime. Bon, les gens passent, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc moi, je veux partager avec vous comment je fais pour camoufler les cheveux. Voilà, donc c'est des petits détails que certains négligent, mais qui sont vraiment importants dans la coiffure. Donc je vous partage ça. Moi, je suis très gentille avec vous, hein. Je vous partage les astuces. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, hein. Donc à partager aussi, suite à activer la cloche de notification et tout. Et j'ai besoin de soutien en ce moment parce que vraiment, c'est pas facile de faire des vidéos. Je fais des vidéos, je fais les montages, les parties. Bah, tu vois, toute ta vie, je travaille en même temps et tout. Donc, soutenez-moi parce que moi, je vous donne des astuces et tout. Donc, j'ai besoin de soutien. Donc, soutenez-moi avec cette chaîne. Vous voyez le résultat. Vous voyez comment ça, genre, j'ai camouflé les cheveux de ma cliente. Vous voyez comment ses cheveux sont quand même longs, mais vous voyez que c'est juste au bout qu'on voit vraiment le noir est beaucoup prononcé. Mais après ça, vous voyez que ce sont les mèches qui sont beaucoup prononcées que les cheveux.
Donc, elle a voulu des boucles en bas. Mais vu qu'on n'avait pas des mèches bouclées de cette couleur, donc j'ai décidé de les boucler avec les mèches. Donc cette fois-ci, j'ai pas voulu faire à l'ancienne comme on faisait comme avant, là, des 3-3, on fait à la fin et tout. Je trouve qu'avec des bucoudis, c'est plus prononcé et ça paraît comme si on avait mis des mèches bouclées à la fin. Vous allez voir, les boucles étaient magnifiques, magnifiques. Je vous laisse découvrir les boucles. C'était vraiment beau. C'était vraiment... ouais, c'était vraiment beau. Vraiment beau. Une boucle. C'était vraiment belle. Non, c'était vraiment beau. Bref. Et hey, je rigole. Hein. Après, ne venez pas dire que cette fille ne comprend pas le français. En tout cas, je rigole. Bon, bref. À ce niveau-là, je vous conseille de couper les bouts. Vraiment, c'est très important parce que si vous ne coupez pas les bouts, ça va comme s'attacher à la fin et ça va, vous allez peut-être gâter les boucles et tout. Ça sera vraiment dommage d'arriver à ce stade-là. Donc, vraiment couper à la fin et commencer à les détacher, soit avec du gel ou soit avec une mousse coiffante. Ça va vous permettre non seulement de bien définir les boucles à la perfection, perfecto. You comprendo ce que je dis. Et je me suis fait dire dans un des commentaires en bas de ma vidéo que moi je parle beaucoup, ouais, que ce que j'offre quelques, de bons contenus, mais seulement que je parle trop. Ok, pas de problème. En tout cas, si tu me suis, toi qui as dit ça dans les commentaires, si tu me suis, tu regardes ma vidéo, j'ai compris, je vais suivre ton conseil, je vais essayer de moins parler dans mes prochaines vidéos. Mais en tout cas, cette vidéo-là, je vais parler d'abord et puis la prochaine fois, je ne vais plus parler. Donc, comme je vous l'ai dit, pour redéfinir vos boucles à la perfection, utilisez une mousse coiffante, ça permet de pouvoir bien définir vos boucles et tout. Et aussi, vous pouvez utiliser un spray, c'est pas nécessaire tellement, c'est optionnel en tout cas. N'êtes pas obligé d'utiliser, mais moi je l'utilise à chaque fois que je fais des braids, donc vous pouvez l'utiliser aussi, c'est bien, ça permet de bien matifier et bien rendre les boucles, les tresses aussi bien jolies en tout cas. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'est voilà ce que je voulais partager avec vous. Regardez les boucles comme c'est magnifique, c'est perfect, c'est comme si on avait rajouté des mèches bouclées à la fin en fait. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification pour ne rien rater comme nouvelle vidéo. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous!